Bonjour Clara et Laura Laperouzaze. Il s'agit de votre premier long métrage, mais êtes-vous passé par le court métrage finalement ou pas? Bien sûr. Oui, on est passé par le court métrage et le moyen métrage, ce qui nous a permis de tester des choses d'un point de vue de protocole de travail. Parce que par exemple, dans notre dernier moyen métrage, on a travaillé avec une petite fille de 4 ans. Et là, il y a deux petites filles de 6 ans qui ont des rôles principaux avec aussi Anna Girardot et Clément Roussier. Et c'est ce qui nous a permis de trouver des techniques pour voir de quelle manière on peut travailler avec un enfant ou avec des enfants sur un plateau de cinéma, parce que c'est des choses qu'il faut effectivement beaucoup réfléchir. Il y a toutes sortes de contraintes qu'il faut intégrer à l'élaboration d'un plan de travail, etc. Donc en effet, faire un moyen métrage avec cette petite fille de 4 ans nous a beaucoup aidé, et c'est ce qui nous a d'ailleurs donné l'idée et le désir de donner des rôles aussi importants à d'autres enfants à l'échelle du long métrage. D'accord. Et c'était pas trop dur à gérer du coup en raison du bas âge? Si, c'était très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait elles peuvent être très peu là sur le plateau. Donc c'est ultra restreint le temps qu'on a avec elles. Donc on a écrit pendant 4 ans un film et parfois on n'avait que 10 minutes pour tourner les scènes avec elles. On peut pas les faire répéter parce que ça les fatigue. Elles ne savaient pas lire et de toute façon on voulait pas qu'elles apprennent le texte comme une petite poésie parce qu'on voulait que ça semble très naturel alors même que tous les dialogues sont super écrits. Donc on leur donnait le texte phrase à phrase et elles n'avaient pas peur d'avoir un trou de mémoire et c'est la technique qu'on a trouvée et qui fonctionnait le mieux. En fait, l'idée, c'était vraiment d'essayer de donner l'impression que tout était improvisé de la part des enfants, que les mots étaient les leurs, que les phrases et les pensées étaient les leurs, alors même que c'est écrit du début à la fin extrêmement précisément par toutes les deux. Ensuite, c'est vrai que quand on travaille avec un enfant, il faut pouvoir être assez flexible et réactif par rapport à l'état dans lequel est l'enfant, l'état de fatigue éventuel. Et c'est-à-dire que nous, à l'intérieur du film, on a des séquences dans lesquelles elles ont beaucoup de dialogues. C'est qui la petite fille qui me ressemble? Qui maman la petite fille? Et d'autres séquences qui sont plus légères, plus ludiques. Et il fallait sans cesse pouvoir alterner et rebondir selon ce qu'on pressentait de l'énergie de l'enfant à ce moment-là. Donc il fallait à chaque fois réagencer le plan de travail en fonction de ça, en priorité. Et tout en sachant que comme le film se passe beaucoup en extérieur, on avait évidemment toute une autre série de contraintes d'ordre météorologique, etc. Mais l'accent était vraiment mis sur la présence et l'absence donc de ces enfants sur le plateau. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lors de la réalisation d'un premier long métrage finalement? Est-ce que c'est plus aux moyens financiers ou organisation ou quoi? C'est de tout ordre en fait. Il y a énormément de difficultés à traverser et à surmonter. Et c'était très précieux pour nous d'être deux pour faire ce film. Et je pense qu'on n'aurait pas tenu si on avait été seul. Alors oui, d'ordre financier, il se trouve qu'on a eu des financements publics. On a obtenu l'avance sur recette du premier coup. Donc ça s'est bien passé. Après, on avait l'argent de région française, mais comme on a renoncé à tourner le film en France parce qu'il fallait absolument depuis le début que ce soit un film très lumineux et que ce soit l'été tout le temps, qu'on travaille beaucoup sur la chaleur, la sensualité, etc., ça jouait un rôle très important dans tout le film. On a décidé de décaler ça au Portugal parce qu'on a tourné en octobre et en novembre, et pour autant dans le film on dirait qu'on est l'été tout le temps. Et après c'est plutôt on a une toute petite équipe parce que le budget était vraiment limité. Et donc c'est ce que disait Laura tout à l'heure, il faut savoir être extrêmement souple et flexible et inventer des choses et redoubler d'imagination quoi, pour faire en sorte que les choses soient possibles. Mais on a tenu bon et on a réussi à tenir aussi le cap de la mise en scène qu'on voulait mettre en œuvre pour qu'il y ait un langage vraiment cinématographique dans ce film. Et c'est ce qui nous tenait à cœur, comme c'est notre premier long, il y avait ce challenge à remplir. C'est beau aujourd'hui d'avoir fait ça, mais en effet, pour le financement, c'était pas forcément malin. Voilà. Mais maintenant, ça convainc le public, oui, c'est très bien. Et puis, effectivement, on peut voir notre mise en scène. Donc, oui. Pour les prochains projets, on espère que ça aidera. Oui, c'est ça, non, on avait une nécessité très très forte à faire ce film. Et c'est vrai que notre désir correspondait aussi au fait qu'il y ait une matière intime à porter à l'écran. C'est-à-dire qu'en partant de choses qu'on connaissait très très bien et qui nous tenaient infiniment à cœur, on s'est dit qu'on voulait faire un long métrage donc qui est vraiment de la mise en scène, qu'on construise les choses en matière de plan, de valeur de plan, d'axe, qu'on réfléchisse à chacun des plans comme si c'était une peinture. Enfin, on a eu une recherche esthétique aussi qui nous poussait à faire en sorte que les choses deviennent possibles, même si c'était difficile.
Mais je crois qu'aussi le fait d'avoir été deux nous a quand même beaucoup soutenus. Mais par ailleurs, paradoxalement, enfin, je souhaite vraiment faire mon film d'une façon plus simple, le prochain, et plus souple et plus confortable en termes économiques. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, avoir cette, ce tout petit budget, cette toute petite équipe, tout ça nous a permis d'être encore une fois extrêmement souple et mobilisé et dans une stimulation en fait artistique. On était produite par Paolo Branco, qui est un producteur qui a produit plus de 300 films, qui a une magnifique filmographie, qui produit aussi bien Wim Wenders, Cronenberg, Montero, Oliveira, Ruiz, Ackerman, etc., etc., Alain Tanner, enfin bon bref, je vais pas les citer tous les 300, mais du coup c'est quelqu'un qui est capable d'agir vite, donc on a pu tourner dans cet été décalé, cet été indien comme je le disais au début, là, qui se trouvait en octobre-novembre au Portugal, et il nous a suivis même sur le casting, parce qu'il y avait Anna Girardot, et qui est plus connue pour l'instant que cet acteur qui s'appelle Clément Roussier, et Paolo nous a dit si vous pensez que c'est la bonne personne, on y va, et effectivement comme on ne dépend pas à ce moment-là de chaîne, on n'a pas de compte à rendre, et soyez libre par rapport à ça. Après il a fallu croire beaucoup et très fort dans ce qu'on faisait pour tenir encore une fois le cap de la mise en scène, etc. Donc il faut avoir vraiment beaucoup d'obstination, mais ça vaut la peine. Mais il fallait aussi, enfin c'est-à-dire qu'on prenait les décisions, Clara et moi, et on parlait évidemment aux membres de notre équipe, aux chefs opérateurs, enfin il y avait un rapport aussi fluide à l'intérieur de tout ça, et avec nos comédiens bien évidemment. Mais c'est vrai que par ailleurs, on était responsable du fait de pouvoir faire tenir toute la matière narrative, etc., dans un certain nombre de jours, très limité, parce que comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas comme ça tourner dans un hôpital. Non, pas de déplacement, c'est impossible. Ouais. Donc il fallait quand même naviguer très sérieusement. On était libre, mais en même temps très serré par toutes ces choses. Très accompagné finalement, comme c'était votre premier long métrage du coup. Bah, accompagné, non. Soutenu par notre équipe artistique, oui, mais accompagné, non. On se sentait très seul. Voilà. Mais heureusement qu'on était deux. Ouais, on était très peu nombreux dans l'équipe et il y avait très peu de matériel, donc c'est des choses aussi dont il faut tenir compte en permanence. Donc ça donne de la liberté, ça en enlève, c'est une espèce de chose, il faut arriver à construire une forme de liberté dans à partir de ces contraintes-là qui étaient assez, assez puissantes. Est-ce que finalement à travers ces scènes-là, vous racontez votre propre histoire ou est-ce que ça tient de la fiction ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait il y a vraiment une matière autobiographique, mais pour autant on a voulu faire du cinéma et faire une fiction. C'est ce qui nous tenait à cœur. C'est pas du tout un journal intime ce film. C'est un peu un mélange des deux. Donc, c'est pas un mélange des deux, c'est-à-dire que la thématique est quelque chose qui appartient à notre histoire, le secret de cette famille et le secret de notre famille, mais on a construit un long métrage. Donc on a décalé énormément de choses, condensé d'autres, on a inventé énormément, enfin voilà. Donc c'est ce qui nous plaisait, c'est de mettre en scène un film, pas de raconter stricto sensu ce qui nous était arrivé. Après, pour autant, on a quand même un rapport empathique très fort avec nos personnages. On a voulu établir une circulation du point de vue entre les quatre personnages de cette famille, donc chacun des deux parents, ainsi que les deux petites filles qui ont chacune aussi une personnalité bien à elles, etc. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on s'est situé au niveau des petites filles pour commencer le film. Il n'y a pas de prologue ou de flashback sur l'histoire du couple, mais c'est au moment où l'une des deux petites filles est investie du secret familial et n'a pas le droit de le révéler à sa sœur. Et c'est parce que ça nous permettait de parler de choses qu'on avait très bien connues. Donc c'est plus facile quand on fait un premier long, d'avoir un matériau intime sur lequel s'appuyer, parce qu'on était scénariste aussi de ce film. Donc ça permet d'avoir un fondement plus fort certainement que si on invente de toutes pièces sans aucun lien avec son histoire, ce qu'on doit traiter. Et de pouvoir se sentir très proche de nos personnages, et à partir de cette proximité émotionnelle à nos personnages et à leur trajectoire, leur avancée psychologique au cours du film, etc., pouvoir aussi réfléchir à une mise en forme et donc avoir une recherche plastique par rapport à une forme lyrique ou onirique ou un rapport au paysage ou ce genre de choses. C'est-à-dire que avoir vraiment très proche de nous ces personnages principaux nous permettait d'aussi aller plus loin d'eux et réfléchir vraiment à des questions de cinéma. Ouais, de faire un film qu'on a conçu un peu comme un western en technicolor. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, réfléchir aussi au fait qu'on voulait tout le temps des couleurs chaudes, que l'image soit brillante, saturée, très contraste. Enfin voilà, se poser des questions de forme, c'est ce que disait Laura. On est en train d'écrire là
un scénario d'un prochain projet. D'accord. On a commencé ça il y a quelques mois. On est très contents d'avoir pu aussi trouver un nouveau désir pour un autre film, alors même qu'on était en train de finir le précédent, et le prochain film, pour le coup, n'est pas du tout habité par un matériau autobiographique. Donc peut-être qu'effectivement, les choses avancent d'un film à l'autre aussi. Après, c'est vrai que dans le prochain aussi, il y a deux sœurs qui ont un lien très fort, et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui nous touche de près, et du coup, qu'on veut traiter dans plusieurs films. Mais c'est vrai que comme ces sœurs-là auront des super pouvoirs, il n'y a aucune matière autobio. Vous êtes nos deux petits soleils.